On va faire notre entrée. Allez. Salut. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Sarah Maman. Je ne sais pas si l'humidité est top ou je ne sais même pas si vous m'entendez parce que là, je vous ai mis à l'extérieur. Oui, aujourd'hui, on a une terrasse. Bref. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, actuellement, je me trouve à Jeju. Si vous avez regardé le début de vlog, vous avez vu. Voilà, aujourd'hui, today, I'm here, I'm Jeju, little Iceland in Korea, you know, on dit la paybox. Ok, donc aujourd'hui on est à Jeju pour quelques jours encore. Donc écoutez, content de vous retrouver pour cette troisième vidéo, je pense, sur mon voyage en Corée. Et là, on est à Jeju, là je me suis préparée pour sortir parce que je prévois d'aller dans un restaurant normalement incroyable qui a pris noir, black, tout ça vous allez voir, enfin si, moi-même je vais voir parce que je ne suis pas sûre d'y aller, mais voilà, on verra comment ça va se passer. En tout cas, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, etc, 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 et puis on y go. Là, je vous mets là. Moi je me rends compte parce que c'est moi ce qui vit ça. Encore moi je ne me rends pas compte moi-même parce que je vis ça à l'instant T. Et du coup, je n'arrive toujours pas à mettre des mots sur ce que je ressens et ce que je vis. Mais imaginez-vous. Bon, je vous laisse. J'ai mangé. Bon, guys, je viens d'arriver. Je suis pas encore arrivée, mais je suis tout près du village où se trouve le restaurant où je vais aller manger, prendre mon petit dessert parce que je l'ai mangé ce matin. Écoutez, c'est trop bien, du soleil, so happy, parce que comme vous le savez, le soleil ça vient, ça part. Donc là je suis contente qu'il y ait du soleil, ça fait trop bien, trop plaisir. Je vous dis que peu importe où vous allez, c'est tellement bien agencé. La Corée du Sud, c'est tellement beau. Laisse tomber, hein. Attends. Bon, je vous disais que tellement tout est bien architecturé. Vous voyez les architectures bien, et les maisons bien mises en place. Il n'y a pas une brique qui dépasse. Même si elle dépasse, elle est bien faite. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est un kiff d'être ici. En plus, là, le village de Jeju, j'ai l'impression qu'il est calme. Là aussi, je suis vraiment. Je sais pas, c'est au nord ou au sud? Voilà. je suis pas. Bref, je mettrai la carte où je suis. Mais après, plus tard, je vais peut-être sur le sud. Là, je suis au nord. On va dire que voilà. En tout cas, c'est calme. Regardez juste ici. C'est carte postale. C'est carte postale. Carte postale. Vraiment. Imaginez-vous vivre ici et à midi vous prenez un bus pour faire des kilomètres pour aller manger un dessert. Qui fait ça? Ben moi. Moi. Même le chemin pour apprendre. Même le chemin que je dois prendre pour aller au restaurant est magnifique. Il n'y a pas à être aussi beau comme ça. Les maisons en pierre comme ça, il n'y a pas. Nashidaniwa. Sitting in the car, listening in the blind. Toby make a jalo. Je crois que je ne suis pas loin. Je suis même tout près. Je suis tout près. Le GPS, c'est l'ami des amis. Oh, il y a un logement que j'avais vu que je voulais réserver. Il est juste là. Je viens d'arriver. L'endroit est
ça m'a coûté à peu près 32 000 won. Je mettrai le prix. Donc j'ai 3, 1, 2, 3, 4 et un jus. 3, 4 desserts et un jus. Donc j'ai envie de vous dire, c'est parti. Je vais me régaler. Normalement, les jus, vous les buvez froides. En tout cas, pour moi, je les bois froides. Mais là, je peux les boire chauds. Comme s'il y a un petit vent un peu. Ça, il fait un peu froid. Donc, ça là. Je vous montre. Caramel. Cacahuète au caramel. Plutôt comme ceci. C'est un gâteau à l'orange. Wow, j'ai l'impression d'avoir trop mangé quoi. On te remplit. Bon guys, là ce qui va se passer, c'est que je vais rentrer parce que là j'ai plus de batterie. Là je suis à des kilomètres de mon Airbnb, donc voilà, on va essayer je vais essayer de trouver l'arrêt pour prendre le bus qui arrive dans normalement 20 minutes. Ce qui est bien, c'est que le bus est bien. Les bus sont bien desservis, donc tu galéreras pas en fait. Si tu galères pas, moi je galère pas. Donc si je galère pas et que toi tu veux venir ici, tu vas pas galérer. Donc normalement, tout est bien. Tu vois, c'est tellement calme, apaisant. J'ai appelé ma mère, ma famille tout à l'heure. Je discutais avec ma mère, ça faisait un petit moment que je parle avec elle. Et ça m'a fait du bien de parler avec elle, de prendre des nouvelles. Trop contente, donc ça m'a un peu reboosté, l'amour de ma life, donc ça me fait l'avoir tout souriante comme ça, ça me rassure, parce qu'elle s'inquiétait aussi, donc cool, ça fait du bien. Regardez là cet espace, ça c'est un espace dans le drama, il y en a toujours, des petits vieux qui viennent s'asseoir là, tout à l'heure il y en avait, c'était venu ce soir. So, je vous montre de loin. Ah, ça remonte des souvenirs comme si j'étais ici. Je viens d'arriver et normalement je dois prendre le bus 253. Comment je sais? Je suis une application qui s'appelle Never Map. C'est ce qui m'aide pour tous mes déplacements ici. On va attendre. Enfin, je vais attendre. Vous allez juste me regarder arriver chez moi. Chez moi, dans mon Airbnb. Je vous jure, on est vraiment. Je me sens bien ici. C'est chez moi en fait. Bon, c'est pas chez moi, mais c'est bien de se sentir chez soi, autre part que chez soi. On ne sait pas comment vous expliquer. Je sais pas. Et aujourd'hui je descends à la plage. Bon, c'était pas prévu, de base je devais aller autre part, mais le bus, voilà, ils ont vas-y quoi, attendre pendant des heures pour avoir un bus, c'était compliqué. Du coup là je vais me rendre à la plage, vu qu'il y a le soleil je vais en profiter. Et je suis arrivée tout près de la plage, elle est juste devant moi. Attends, je vais passer au-dessus de l'autre côté. La plage est juste devant moi, donc j'y go, je vais aller profiter, je vais aller me poser, je vais dormir. Moi j'aime bien quand le soleil est vraiment fort, ça me donne envie de dormir. Une fois quand j'étais à Mayotte, on est allé à la plage avec, je crois avec des collègues, avec des amis, je sais plus. Mais du coup j'ai dormi, le soleil était tellement, la température était tellement parfaite que je me suis endormie pendant des heures. Bref, donc là j'y vais, le soleil est incroyable, donc
En plus, demain, il va pleuvoir. Donc, on va dire que voilà, c'est bien fait. Je vais bien profiter. Et puis voilà, let's go, je vous amène avec moi. Je suis trop contente. Je me suis un peu promenée hein, parce que je suis là pour promener bien. Et c'est incroyable, je vous assure, la mer est bleue, vraiment genre bleue, elle est bleue, d'accord. Si vous avez un doute et tout, je vous assure qu'elle est bleue, ok. Donc en fait, je crois qu'il y a 1, 2, 3, c'est une plage où il y a pas mal de blocs, genre il y a des sables blancs et tout. En fait, vous pouvez choisir où vous pouvez aller, là, au milieu ou là-bas. Donc, tout est beau, tout est propre. Bon, il y a des trucs comme partout ailleurs, mais tout est clair et net et c'est tellement agréable. En plus, il y a une montagne qui, je sais pas, qui va, je sais pas où, mais vas-y quoi, j'ai pas fait du sport, on n'est pas là pour ça. Mais il est 14h, je peux rester là jusqu'à pas d'heure. Mais je suis un peu loin de chez moi, de mon Airbnb, et j'ai pas envie de m'attarder ici. Mais en tout cas, c'est vraiment agréable. Le soleil tape un peu, j'ai bien fait de mettre de la crème solaire ce matin. Parce que j'ai un peu mal ici. En plus, j'ai pas mangé. Et moi, à chaque fois que je décide d'aller manger quelque part, bah, j'hésite pendant plusieurs fois. Et jusqu'à j'arrive à mon Airbnb, et après, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je m'achète des petits trucs à manger. Alors, c'est pas bien. Donc, je vais essayer d'aller manger quelque part. Et puis voilà. Hein. Trop beau ici. Trop, trop, trop beau. Enfin, je peux dire que je suis enfin. Là, je vais bien m'en bien regarder. Ah. Et le poisson. On fait une démonstration. Pas vous, mais là je viens de manger pour 10 euros, et vous avez vu à peu près la table qui était remplie. En même temps, j'ai pas tout fini comme d'habitude, une équipe qui change pas hein. Mais c'était hyper bon. J'ai dégommé le poisson quoi, le poisson je l'ai mangé,
il y avait deux poissons, je les ai finis. Impossible que je les finisse pas en fait. Voilà, donc là je suis sortie, je vais aller chercher un petit truc, une glace ou un truc à boire. Waouh, le soleil est sorti, on dirait qu'on est à Los Angeles. Faudrait que je réfléchisse à aller à Los Angeles. Dans ma tête, on verra. Petit dessert, petit bus et go rentrer quoi. Hi guys, another day. On se retrouve pour une nouvelle journée with me, you know. Et actuellement, il est 13h. Ouais, je me suis bien reposée ce matin. Je me suis dit, bon, Salama, pose-toi parce que tu as besoin de te reposer. Je me suis reposée vraiment et là, je suis au taquet. Pas trop. J'ai encore envie de dormir. Mais j'ai envie de. Voilà, je vais sortir parce que là, ce qui est prévu, c'est que j'aille me balader, profiter du vibe d'ici et en même temps faire un peu des quelques petits achats à la dé et je vous amène avec moi. Donc, si vous êtes prêts, let's go. C'est parti. Je viens de ce magasin là. La banane était trop mignonne. J'ai acheté ça. On a parlé un peu coréen. Je vais vous dire, mon coréen s'améliore de jour en jour. Je suis trop fière de vous. Trop fière. Donc, elle m'a posé pas mal de questions. Hangul salamio. Tu viens d'où? Tu parles coréen. Nanana. On a parlé pendant des heures. Je lui ai montré Mayotte et tout et tout. C'est pas la première à qui je fais ça. Donc, à chaque fois que je rencontre des gens, ils sont un peu curieux et tout. Ils me posent des questions. Je comprends le coréen, pas tout. Mais je comprends le coréen et c'est ce qui me permet de un peu discuter ici. Donc, c'est cool. C'est cool, donc c'était sympa. Elle m'a même fait des petits bisous ici, un petit son et le visage à mode de l'aide. Bon, on ne regrette pas d'être sorti. On continue notre petite balade. Bon, les gars, je vous reprends. Je suis toujours dans mes galères de recherche de restaurant. En même temps, je profite et je me balade. Je crois que j'ai fait tout le tour. Et après, je me suis retrouvée dans mon quartier où il y avait mon appartement. Mon Airbnb, mais du coup, il me dit, mais je fais le tour de chez moi ou quoi? Donc là, j'ai pris la note. Je suis remontée, donc là, je me dis que je vais à un parc. Et normalement, il y a des restaurants. Donc là, c'est un restaurant qui est juste derrière. Mais ils ne vendent pas de. J'ai jamais mangé de bibimpam. J'en entends parler, mais j'ai jamais mangé. Bibimpam. Donc voilà. Je cherche du bibimpam. On continue. Il y a une voiture. Oui. Guys, j'ai marché. Je vous promets que j'ai marché et là je suis fracassée. Là, je me suis dit, bon, je vais aller manger du bibimbap. Mais j'ai marché beaucoup pour en trouver un. Donc là, je suis dans un petit restaurant familial, on va dire. Très good vibes, très occidental, très local. Pour manger un petit bibimbap. Let's go. $9,500. Guys, je vous ai montré à quoi ressemble le plat, donc là maintenant je vais manger là, parce que il y a un petit thé là. C'est un bouillon de légumes. Voilà, c'est un bouillon de légumes. J'ai hâte. Attends, je ne peux toujours pas manger avec ça, donc je vais prendre mon. Je vais prendre une cuillère. Comme ça, là, les voir manger. Donc là, je mange mon premier légume. Et c'est fini, j'ai mangé, j'étais là. Un jour j'étais ici, dites-vous qu'un jour Salama était là. Ah! Un samida. J'en voulais pas. Bon. La question que je me pose, est-ce que je rentre? Mais j'ai vu un magasin, je suis allée, j'ai acheté. J'ai vu des pantalons à 26 euros, un look
totalement black. So, I don't know. Est-ce que je continue à me balader? Mais en fait, il commence à se faire gris là. Donc, où est-ce que je me prends un dessert? Est-ce que je continue mon périple manger ou je vais... J'ai rien acheté, à part un pantalon, j'ai rien acheté. Mais en ce moment, en fait, il fait frais, mais c'est là où les gens ici vont se réveiller. Oh my god! Oh my god! Oh, c'est le froid qu'il fait des fois. Laisse tomber. Hein. Il pleut pas, il neige pas, mais il fait froid. Oh, c'est tombé. Here. Paris Baguette. You know Paris Baguette? Paris Baguette. Je suis jamais allée, mais je le vois partout ça.